OBD de trouble code description technique charge B couleur couleur contrôle B circuit I qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic générique DTC du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules OBD2 équipés d'un refroidisseur d'air de suralimentation, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Chevy, Mazda, Toyota, etc. Dans les systèmes à induction forcée, ils utilisent un refroidisseur d'air de suralimentation ou ce que je vais appeler un refroidisseur intermédiaire IC, pour aider à refroidir le chargé l'air utilisé par le moteur. Ceci fonctionne de manière similaire à un radiateur, dans le cas du circuit intégré, au lieu de refroidir l'antigel, il refroidit l'air pour produire un mélange air-carburant plus efficace, à son tour, une meilleure consommation de carburant, de meilleures performance, etc. Le circuit intégré fait partie du côté pression de suralimentation du système d'induction. La soupape de dérivation est utilisée, comme son nom l'indique, pour laisser l'air contourner le refroidisseur intermédiaire pour être déversé dans l'atmosphère et ou recyclé. Le module de commande du moteur, ECM, l'utilise pour ajuster la soupape en fonction des conditions et des besoins actuels du moteur, le CM allume le témoin de contrôle du moteur avec P022F et les codes associés lorsqu'il surveille une condition en dehors d'une plage spécifique dans le circuit de commande de dérivation de l'intercooler et, ou le système, ce code peut être provoqué par un défaut mécanique et, ou électrique. Si je devais deviner ici, je pencherais pour un problème mécanique qui serait probablement le problème. Cela étant dit, les deux sont possibles. P022F, le circuit B du circuit de commande de dérivation du refroidisseur d'air de suralimentation est réglé lorsque le CM détecte une valeur électrique supérieure à celle souhaitée dans le circuit Esperluette-Cote, B Esperluette-Cote, reportez-vous à un manuel de réparation spécifique au fabricant pour déterminer quel est le circuit Esperluette-Cote, B Esperluette-Cote, dans votre application particulière, quelle est la gravité de ce DTC la gravité dans ce cas serait modérée, vous ne voulez pas laisser ce problème sans surveillance car il pourrait évoluer en quelque chose de beaucoup plus grave assez rapidement, gardez à l'esprit que les problèmes ne s'améliorent pas avec le temps, à moins qu'ils ne soient corrigés, les dommages au moteur sont chers, presque à chaque fois, donc si vous avez épuisé vos capacités, apportez le véhicule à un centre de réparation réputé, quels sont certains des symptômes du code les symptômes d'un code moteur P022F peuvent inclure mauvaise performance du moteur véhicule entrant en esperluette cote, mode mou esperluette cote, mauvais allumage du moteur mauvaise consommation de carburant quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure, vanne de dérivation coincée ouverte, fermée obstruction dans la plage de mouvement de la vanne de dérivation faisceau de câblage cassé ou endommagé fusible, relais défectueux problème de CM problème de broche, connecteur, par exemple, corrosion, languette de verrouillage cassé, etc. Quelles sont les étapes de dépannage du P022F Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique « BST » pour votre véhicule, l'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Outils lorsque vous travaillez dans le système à induction forcée, vous aurez peut-être besoin, lecteur de code OBD pince pour collier de serrage lubrifiant multimètre jeu de douille de base jeu de clés à cliquet et clés de base jeu de tournevis de base serviette de chiffon, d'atelier nettoyeur de bornes de batterie manuel d'entretien conseil de sécurité laissez le moteur refroidir roue de craie portée de l'épi. Équipement de protection individuelle, remarque, toujours vérifier et enregistrer l'intégrité de votre batterie et de votre système de charge avant de poursuivre le dépannage, étape de base croisillon 1 localiser votre soupape de commande de dérivation du refroidisseur d'air de suralimentation en suivant la tuyauterie de charge allant à votre refroidisseur intermédiaire IC, elle peut être montée directement sur le tuyau de charge, selon votre marque et votre modèle particulier, vous pouvez trouver votre circuit intégré monté dans votre pare-choc avant, les ailes avant ou peut-être directement sous le capot parmi de nombreux autres emplacements possibles, une fois la vanne localisée, inspectez pour tout dommage physique évident, remarque, assurez-vous que le moteur est arrêté, étape de base N degré 2, il peut être assez simple de retirer complètement la valve du véhicule pour vérifier sa fonctionnalité, particulièrement recommandé si le code P024B est actif, une fois retiré, inspectez tout obstacle dans la plage de mouvement de la valve. Si possible, nettoyez la valve avant de la réinstaller. Remarque référez-vous toujours au manuel d'entretien d'abord car cela peut ne pas être possible ou recommandé d'ailleurs sur votre véhicule. Conseil de base N degré 3 le faisceau de la soupape de dérivation peut être acheminé à travers des zones exposées aux éléments. Ces zones doivent être inspectées de près pour détecter les entailles, les coupures, les signes de corrosion, etc., dans les fils impliqués dans le circuit. Remarque assurez-vous de déconnecter la batterie avant d'effectuer toute réparation électrique. Étape de base N degré 4 en fonction de votre outil d'analyse, vous pouvez vérifier la fonctionnalité de la vanne en la contrôlant et en observant son amplitude de mouvement, si accessible, vous pouvez déconnecter une extrémité de la valve pour avoir une vue des pièces mobiles, à l'aide de votre outil d'analyse, ouvrez complètement la vanne et fermez-la tout en observant le fonctionnement mécanique de la vanne elle-même, si vous remarquez que la valve colle et que rien ne l'obstrue, la valve est probablement défectueuse, dans ce cas, vous pouvez essayer de le remplacer, assurez-vous que le fabricant recommande également une nouvelle Valve dans ce cas, reportez-vous au manuel étape de base N degré 5. Vous voudrez exclure tout problème électrique dans le faisceau impliqué. Pour ce faire, vous devrez peut-être le déconnecter au niveau de la vanne et de l'ECM, à l'aide de votre multimètre, vérifiez l'intégrité du circuit en effectuant de nombreux tests électriques de base C A D continuité. Si tout se vérifie, vous pouvez effectuer certains tests d'entrée en testant le connecteur au niveau de la vanne pour vérifier la fonctionnalité ECM avec la vanne.